l'intervention chevaleuse. Fausse bonne idée des personnes, des organisateurs qui ont voulu comme ça donner un animal en spectacle. Ce n'est pas du tout sa place et en plus c'est totalement interdit. Donc là effectivement nous portons plainte pour cruauté et pour mauvais traitement, tout simplement parce que c'est quelque chose d'interdit. On n'a pas le droit d'aller emmener un animal, quel qu'il soit, dans un local pour en faire un spectacle comme ça. Nous avons porté plainte pour mauvais traitement envers un animal, mais aussi mise en danger d'autrui. Parce qu'il faut savoir qu'un cheval, ça cabre, ça peut s'affoler, le moindre bruit l'affole. Donc là, l'animal pouvait très bien se cabrer, donner des coups de cul, il aurait pu détruire tout ce qu'il y avait dans cet endroit. On amène un animal qui pourrait vraiment provoquer des dégâts, non seulement pour lui-même, se casser une patte, mais aussi pour le public. Donc le public n'était absolument pas protégé d'un éventuel emballement de cet animal. Un emballement qui pourrait vraiment arriver, étant donné le bruit, les lumières et tout ce qui s'ensuit. Il y avait une manifestation similaire à Miami. Le cheval avait été pris de panique, il était tombé à plusieurs reprises et l'établissement a écopé d'une fermeture administrative, vous voyez. Donc on sait que ce genre de drame peut arriver, c'est là. Et en plus, c'est parce que ça n'a pas été... vous savez, c'est interdit parce que ça n'a pas été déclaré en préfecture. S'ils avaient fait une demande en préfecture en disant qu'on veut faire ça, la préfecture aurait pu très bien dire non, oui ou non, ou donner une autorisation exceptionnelle. Mais là, cette procédure n'a pas été faite. C'est-à-dire, ils sont allés franco comme ça.